Ilsandre, je vais te la décrire, c'est une femme d'une quarantaine d'années. Les cheveux blonds, plus courts que la norme. Elle a l'air très assurée, assez tendue, soucieuse plutôt. Par bien des aspects, elle te rappelle Déméter, excepté cet air soucieux sincère qu'elle semble avoir peint sur le visage. Déméter arborait rarement ce type d'expression, sauf lorsque cela était en rapport avec ses affaires, à elle. La porte se referme. Elle a l'air sévère, elle fixe Tristan. Tristan, tu sens le poids de son regard, mais très vite, c'est un sourire qu'elle esquisse. Tristan, mon petit, elle s'approche de toi et elle te serre délicatement dans ses bras. Petite mère, je la sers aussi. J'étais folle d'inquiétude. Elle te regarde, Pardonne-moi, je suis. Mélissandre. Elle te pose une main sur le torse, Tristan. Elle te réajuste un peu ton habit. Regarde dans quel état tu es. Où est ton frère? Où est Jacques? On a été séparés. Il m'a dit qu'il serait revenu, qu'il reviendrait ici. Tu n'es au courant de rien de ce qui s'est passé à Marnanlis? Non. Je n'ai. On est parti avec Jacques. On a fait la. On a tenté de récupérer le manteau. Mais je me suis fait capturer. Jacques s'en est sorti. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était par la fenêtre de ma cellule. Et il me disait qu'il trouverait quelque chose pour me faire sortir. Et que s'il n'y avait rien, il reviendrait ici pour que tu trouves quelque chose. Tristan, je ne comprends rien à ton histoire. Tu me dis que tu t'es fait capturer, mais c'est Jacques qui a disparu. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi Jacques n'est pas revenu, pourquoi il n'est pas là. Un milicien. C'était un non, c'était un garde ou un milicien, Ouais, un Ilsandre? garde, peu importe, réellement, oui, un garde. Mais de la milice, en fait, c'est une milice à Mardanis. Ok. Un des gardes qui participait à la garde de ma cellule m'a dit que le bourreau qui devrait. Qui aurait des. Qui aurait une. Une diversion pour que je puisse m'enfuir. Est-ce que c'est Jacques qui a mis au point cette affaire? Dans ce cas-là, je m'inquiète pour Jacques fortement. Mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai peut-être fait une erreur en vous y envoyant. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? D'un coup, je mets ma main sur mon cou. J'ai failli perdre la tête. Sans cette diversion, j'aurais jamais été ici. Et en fait, la ville a été mise à sang. Tous les. Une sorte de garde est venue. Pas de garde, non, mais des guerriers ont attaqué la ville. Marnanlis, Oui. c'est proche d'ici. Oui. Une attaque directe. Tu vois, quand tu ricanes un peu, elle a un regard dans ta direction, Mélissandre. Elle t'a toujours pas adressé la parole, mais elle t'a clairement vu. De temps en temps, elle te regarde. Je fais comme j'ai écrit, je joue avec mes cartes.
Je bats les cartes. Justement, cette demoiselle m'a aidé à échapper à tout ce bazar. Et les personnes qui l'accompagnaient m'ont aidé à récupérer le manteau. Et là, ils sont aussi intéressés par ce manteau. Tu vois que c'est un regard beaucoup moins tendre qu'elle pose sur toi quand elle s'écarte légèrement de Tristan pour te faire face. Un regard beaucoup plus similaire à ce que tu as déjà vu chez Déméter. Mmh. Où est le manteau? C'est une excellente question. Je n'étais pas en charge du manteau. Je venais avec Tristan pour vous rencontrer. Il pense que nos intérêts peuvent converger. J'ai quelques doutes. Voulions ce manteau, vous aussi. Mon fils aîné a disparu. Rien qui me dispose favorablement à votre égard. Et vous êtes Déméter, m'a-t-on dit. Mais c'est exact. Ça ne m'en dit pas plus. Eh bien, c'est tout à fait normal. Dans mon métier, mieux vaut ne pas être trop connu. Je travaille pour des gens qui aiment que je reste dans l'ombre. Alors vous êtes au bon endroit. Elle a un petit sourire pour la première fois à ton égard. Et c'est plus un sourire amusé. Ou est-ce de complicité, tu peux pas être sûr. Elle s'approche de toi, elle semble t'observer avec moins de dureté cette fois, mais elle te tourne autour. Et elle semble t'examiner sous toutes les coutures. T'as même ses doigts qui effleurent ton habit, comme si elle regardait de quoi il était fait. Mmh. Je t'avoue que je vais aussi la détailler, hein, si ça va être un peu... on est parti sur le même mouvement, en fait, donc du coup... Très bien. Ça la gêne pas. Elle te jauge et elle se laisse jauger. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez m'en dire plus. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Marnanlis? Est-ce que vous savez où est mon fils? Quels sont ses intérêts qui peuvent converger? Malheureusement, nous n'avons pu aider qu'un seul de vos fils et j'ignorais jusque-là qu'il y en avait un deuxième. Mais je peux vous aider à trouver le second. Éventuellement. De toute façon, ce qu'il s'est passé à Marnanlis a éveillé un intérêt. En moi, j'entends. Il s'agit de... La ville a été assaillie par des soldats d'Obscura. C'est un culte que je ne connais pas. Pourtant, j'en connais de nombreux, mais... Celui-ci m'est totalement inconnu. Peut-être est-il de Carnandrast. Ça ne me dit rien. Et pour être tout à fait honnête, je ne comprends rien à ce que vous dites. Tristan. Notre amie ici présente nous dit qu'elle t'a aidé, sauvé même. Est-ce que tu attestes de ça? Oui et non. Ils m'ont aidé à sortir ils m'ont hébergé, ils m'ont aidé à sortir du foutoir qui était l'assaut. Le bourreau a quand même été... La flèche qui a touché le bourreau a été lancée par les assaillants. Donc oui, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à récupérer le manteau. Et ils m'ont donné des infos assez importantes sur pourquoi ils ont besoin de ce manteau, et je pense que tu peux les écouter et ça pourrait t'intéresser.
Si mon fils vous juge digne d'intérêt, je vais devoir vous écouter. Si vous avez eu un rôle à jouer dans son sauvetage, même mineur, vous avez ma gratitude. Et c'est précisément pour ça que vous avez une chance de ressortir d'ici sur vos deux jambes. Vous qui aimez évoluer dans les ombres, vous êtes dans les ombres de Carnandras ici. Les nôtres. Je vous écoute. Il y a peu, et votre fils vous en a parlé, une attaque sur Marnonlis. Cette attaque jette une ombre. Pour le moment, elle n'est pas très grande, mais elle atteindra bientôt Carnandras. Et la personne avec qui je travaille actuellement, qui, pour l'instant, je vous demanderai seulement de respecter son anonymat, pense que cela peut lui permettre de prendre une place à Carnandras. Et votre famille pourrait nous y aider. Mais pour ça, il y a... Eh bien, disons qu'il nous faut l'aide de ceux qui viennent d'ici pour comprendre comment fonctionne Carnandras, qui fait quoi. Et surtout savoir sur quel bouton appuyer pour faire tomber quelle tête. Quelle est la tête que vous souhaitez faire tomber ? Pour l'instant, il s'agit plus de trouver une place à prendre. Vous parlez beaucoup sans en dire beaucoup. Alors, regarde dans ta direction, Tristan. Je vais avoir du mal à travailler avec ça, mon petit. Ils sont dans une situation assez délicate et... Ils ne peuvent travailler que sur la confiance des l'un envers l'autre. Donc, ce n'est pas... Ils sont très prudents. S'il vous faut plus de précision, disons que nous aimerions beaucoup, beaucoup nous rapprocher de l'église de Radiance. Ouf. Vous en rapprochez comment exactement ? Avec le manteau, j'ai l'impression que vous avez eu la même idée que nous. C'est pour ça que je te disais que leur plan pourrait t'intéresser et que tu pourrais y trouver ton compte. J'ai besoin de plus d'informations, malheureusement. Je vous aider comment ? D'une manière qui servirait les intérêts de ma famille. Je n'ai pas plus de précision. En quoi pourriez-vous nous aider? Je vais être honnête avec vous. Vous semblez vouloir l'être avec moi. Ce manteau, cette relique, est d'une importance capitale pour le culte de Radiance. C'est un levier d'influence formidable, ou simplement une marchandise à revendre, et à en retirant toute la valeur pécuniaire, mais également l'influence qu'elle donnera. Mais vous semblez avoir d'autres ambitions. Sinon, vous auriez simplement gardé le manteau pour vous et vous ne nous auriez pas contactés. Et si vous avez besoin de notre aide, j'ai besoin d'en savoir plus réellement sur ce que vous cherchez à faire. Pour être certain que c'est en ligne avec nos intérêts. Nous n'avons pas d'intérêt à ce que Bénédicte de Pierre Lune tire quoi que ce soit de la réapparition du manteau. Et nous ne souhaitons pas lui rendre. Mais...
Nous souhaitons nous glisser grâce à ce manteau au plus près du pouvoir. Vous y glissez, mais sans la lui rendre à lui. Serait-il celui dont vous souhaiteriez faire tomber la tête ? Non. Que Radiance m'en garde. Non, non. En revanche, il pourrait nous être utile. Et nous pourrions lui être utile, comme vous pourriez lui être utile. Bénédicte de Pierre-Lune pourrait vous être utile. On voit que vous ne connaissez pas Carnandras. Et c'est pour ça que je suis là. Vous parlez de l'hydre de Carnandras comme si vous alliez pouvoir l'utiliser, comme un simple pion. Vous savez, la famille des Valence, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons une influence dans les rues, comme dans les sphères du gouvernement de la ville. Et pourtant, nous ne sous-estimons pas les acteurs avec qui nous traitons. Et surtout pas l'hydre. Vos ambitions sont intrigantes, mais également quelque peu effrayantes. Vous marchez sur le fil du rasoir, Déméter. À pieds nus. C'est une habitude. Vous savez qui nous sommes. Vous savez que Tristan travaille pour les Valence. Que je suis sa mère. Vous en savez beaucoup. De vous, je ne sais rien que de vagues ambitions. Un accord quel qu'il soit, se doit d'avoir un objectif et de se faire sur un terrain égal. J'ai besoin de plus. Consultez votre patron, employeur, que sais-je, et revenez ici lorsque vous aurez plus de latitude. Mais faites-le vite, parce que je vais avoir besoin de vous pour retrouver mon fils. Ce sera une condition sine qua non pour que nous travaillions ensemble. Je ne considérerai rien tant que je n'aurai pas plus d'informations et tant que mon fils ne me sera pas revenu. Très bien. Le temps est compté, pour ce que j'en sais. Même Tristan n'est pas capable de me dire ce qui est advenu de Jack. J'ai besoin au moins de savoir s'il est en vie. En fonction de où il se trouve, de sa situation, nous pourrons discuter des priorités. Vous m'avez intrigué, mais pas convaincu. Edwin, raccompagne Déméter dans la salle principale. J'ai à m'entretenir avec ton frère. Edwin s'approche de toi, Mylsandre. Il pose une main hésitante sur ton bras. Ou respectueuse, tu ne sais pas. Il te saisit pas. Il t'invite vers la sortie. Moi, je le suis. La porte se referme derrière toi. Tristan, cette personne ne dit pas tout. Cette personne ne dit rien. Pour autant qu'on sache, nos intérêts seront malmenés par ce qu'elle veut faire et ceux qui sont derrière. Je pense qu'ils ont
le sentiment de faire la bonne chose, et comme tu le dis, ils marchent sur le fil du rasoir, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire confiance à tout le monde. Surtout pas à nous. Mais toi. Pour le moment. Mais toi, tu y étais. Ils savent ce que qui est arrivé à ma mère, et ce qui était ma mère natale. Mais quand tu dis « ils », est-ce que tu les as rencontrés ? Oui. Alors qui sont-ils, Tristan ? Elles ne souhaitent rien me dire. J'ai besoin de plus d'informations. Si tu les as, il faut que tu me les donnes. Je ne sais pas pourquoi tu retiens tes paroles. Elles s'approchent de toi. Ce sont des personnes qui ont un grand intérêt à voir le pouvoir de Karandras bouger. Et apparemment, le pouvoir actuel est une des raisons de ce qui est arrivé à ma mère, malgré certaines choses qui se sont passées pendant la... Je vois. La révolte. Et donc. Ils t'ont appâté avec une histoire. C'est pour ça que je leur fais confiance. Je vois. Je ne sais pas encore quelle est la vérité, je t'avoue. J'aimerais y croire, mais je ne peux pas non plus manger dans leurs mains. Mais tu ne me dis toujours pas qui ils sont. Tu n'as de cesse de me parler d'eux, de me dire que tu les as rencontrés. Je ne peux pas croire que tu ne sais rien d'eux. Tu ne sais pas qui ils sont. Comment peux-tu accorder du crédit à leur histoire au sujet de ta mère ? Enfin, de celle qui t'a... Peu importe. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont une crédibilité ? Est-ce que tu sais quelque chose que tu ne me dis pas ? Tristan ? Oui, mais ils sont... Je suis désolé, mais c'est... Ces infos, et je pense que tu peux... Les informations qu'ils m'ont données ont vraiment une crédibilité... Une bonne crédibilité, et ils sont intéressés par le manteau ou autre, je ne peux pas te dire directement qui sont. Peut-être à force d'échange, peut-être qu'après avoir retrouvé Jacques, ils pourront peut-être se révéler. Mais c'est un échange de bons procédés qu'il faut pour avant qu'ils puissent se présenter à toi, je pense. Laisse-moi comprendre, tu lui fais mine de pas savoir ou tu lui dis que tu sais mais que tu lui dis pas ? Je lui dis que je sais mais que je veux pas lui dire directement car leurs infos pour moi sont réelles et précises, je l'espère en tout cas. Et que c'est juste que si je lui réponds tout de suite sans savoir qu'elle est en accord avec eux, ça les foutrait dans la merde en fait. Tristan, je ne te comprends pas. Tu leur as tout dit sur nous, tu les as conduits jusqu'ici, et pourtant tu gardes leur secret vis-à-vis de ta propre famille. Je t'avoue que si ils pensent parler du moindre mot à propos de nous, j'en sais pas mal sur eux pour que nous avons. J'ai autant d'informations sur eux qu'ils en ont sur moi pour qu'on puisse garder le statu quo. Il n'y a pas de statu quo si tu ne nous dis rien. Va suivre cette Déméter. Comme tu l'as dit, je m'occupe. J'étais responsable de cette affaire. Je suis responsable du coup de Jacques. Et je préfère décider de ce qui se passe. Pour le moment, je pense que le mieux c'est que ils fassent un pas vers toi et tu pourras ainsi leur
leur vous pourrez ensuite discuter de ce qui sera par rapport à leur par rapport au manteau et de ce que vous en ferez. Ainsi soit-il. Eh bien, retourne avec Déméter, Tristan. Garde un œil sur eux. J'ai à réfléchir. Je ne sais pas quoi penser de ta retenue. Bien, j'attends de vos nouvelles. Essaie de les convaincre de nous en dire plus. Sans quoi je ne pourrais agir ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne sais même pas concrètement ce qu'ils demandent. Concernant Jacques, Obscura ne te parle vraiment de rien? Non. Je ne sais pas ce que c'est. Si le milicien qui m'a prévenu était en rapport avec Jacques et qu'il savait que qu'ils attaqueraient Marnanlis, je pense que Jacques est en sacré pétrin. Ce sont des tarés qui en veulent. En tout cas, l'un d'entre eux est un chevalier obscur et est un taré qui en veut à la radiance. Enfin, bon, j'en sais. Il n'hésite pas à enfermer des civils dans une église et à la mettre en feu pour voir s'ils arrivent à sortir de l'église. Je vois. Je ne sais que t'en dire. Tu m'apprends ce qui s'est passé. Je ne sais rien. Bien. Yves, accompagne ton frère à l'étage. Reviens me voir ensuite. Tristan, je suis heureuse que tu sois en vie. Mais j'espère que ta retenue ne jouera pas contre nous. J'espère que l'on pourra parler à cœur ouvert bientôt. Que tout ceci puisse se régler. Nous verrons. Je te fais signe. Et c'est Yves qui te raccompagne à l'extérieur. T'es vraiment sérieux, Tristan? Tu gardes le secret, tu dis rien à petite mère? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comme je te dis. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, je m'en fous. Ça justifie pas que tu ne dises rien. T'es de la famille ou t'en es pas. Elle se laisse influencer parce qu'elle t'aime, comme nous tous. Et parce que Jacques est introuvable. On va le retrouver. Ce Nigo s'est laissé prendre. Quel imbécile. Et quant à toi, t'as pas intérêt à nous mettre dans un pétrin, Tristan. Prenez Jacques. Il pense toujours à ce qu'il fait. Je pense qu'il est quelque part, mais qu'il a tout fait pour m'en sortir, mais que ça s'est peut-être retourné contre lui. Si tu penses ça, t'as rien compris avec Jacques. Tu me déçois, Tristan. Tant de mystères. Allez, je retourne voir petite mère, en bon fils loyal que je suis. Et il se détourne. Et tu retrouves Mélisandre au comptoir de la taverne. Bon. Est-ce que... Je vous parle à tous. Désolé de couper. Est-ce que, à moins que les autres... Donc Alistair et... Clovis, et autre chose à faire en attendant, est-ce que, plutôt que de faire les discussions bon, plusieurs fois, on se retrouverait pas tous au couvent? À moins qu'il y ait d'autres choses, il n'y a rien imposé, hein, mais plutôt que de répéter plusieurs fois. Non, je pense que là c'est bon, vu que de toute façon, nous on a déjà passé 3 heures, je crois, à attendre
à la tente Mathéus, donc c'est déjà l'après-midi, et Reynolds nous avait dit de le rejoindre l'après-midi. Donc. Tristan et Milsandre, est-ce que vous y voyez un inconvénient? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Je force pas, hein, c'est juste que bon, si... Est-ce que sur la table, enfin sur une table où, enfin sur la table où j'attends, je peux graver le signe de la Gorgone, s'il te plaît. Juste comme ça, hein. Non, c'est au passage, c'est jamais. Oh, t'as envie de te noyer? Ouais, c'est risqué. Non, c'était une vanne, hein. C'était une vanne. Non, je veux pas le faire. À la rigueur, je demanderai à graver l'œil de Reynald, mais pas. Ah, tu veux graver quelque chose ou pas? Allez, l'œil de Reynald, vas-y. Sur le comptoir ou sur une table? Je sais pas, j'étais au comptoir, non? Ouais. C'est pas très discret. Non, c'est pas très discret. Du coup, et Edwin, il est pas à côté de toi, justement? Oh, il est reparti. Bon, bah laissez boire mon lait de chèvre tranquille, je pense. Oui, je pense que si t'es sur une table, tu peux le faire tranquillement. Oui, voilà. On va faire ça. Ça marche. Ça, je pourrais. Je pourrais aller vendre. Hérétique. Au bûcher. Bien. Vous allez donc tous vous retrouver, c'est dans le manteau, hein, dans le quartier du manteau, au couvent de Saint-Compostelle. Vous n'y arrivez pas forcément en même temps, les deux groupes, évidemment, mais en gros l'accueil va être similaire pour tout le monde. Donc le couvent se trouve dans une partie du manteau qui est assez pauvre, en tout cas en apparence. C'est pas une des plus belles parties, c'est pas non plus un quartier miteux, enfin ou en tout cas aussi mal famé que celui que vous venez de quitter. Encore que ce soit pas si loin que ça. C'est un genre de bâtiment encastré dans un amas de pierre, comme s'il était un peu en relief sur un mur, le bâtiment. Ça doit être peut-être un ancien... C'est une architecture assez singulière, un peu encastrée dans la pierre, comme si c'était faisait partie d'une sorte de vieille ville, de ville donc vraiment ancienne, peut-être du temps de l'Empire. Et lorsque vous rentrez, car oui, vous pouvez y rentrer, comme si votre présence était attendue, donc... Vous circulez sous des voûtes. C'est très silencieux, très calme, si bien que vous osez à peine parler. Vous croisez quelques personnes. Vous êtes dans la zone commune, c'est-à-dire où il y a à la fois des hommes et des femmes, même si il y aura deux ailes dans le couvent, hommes et femmes étant séparés. On peut vraiment pas se marrer dans ce couvent. J'essaye au maximum de cacher les cicatrices qui lardent mon visage, donc je remets le masque qui cache la moitié de mon visage. Autant les autres, bon, vous attirez forcément l'attention, autant toi, Alistair, tu vois que les gens s'écartent ou restent stoïques quand tu approches, comme si t'étais une sorte de démon entré dans un lieu saint. Il y a une aura de menace qui émane de toi. Et vous êtes rassemblés dans une sorte de petite alcôve. Et vous vous retrouvez. Vous êtes accompagné là par, une sœur, probablement, en silence. Et on vous dit d'attendre. Vous vous retrouvez... Vous n'avez pas le temps de beaucoup échanger. Et vous avez une sœur assez vieille, même vieille, elle est plus vieille que Reynolds, de peut-être 10-12 ans, voire peut-être plus. Donc elle est à moitié crevée, quoi. Ouais, toujours très, très aimable. C'est une femme qui a dû être assez grande dans sa jeunesse. Elle est... légèrement tassée.
des eaux malgré tout assez solides. Vous le voyez au niveau des poignets que vous pouvez distinguer qui dépassent de son habit. Elle a les cheveux encore longs, attachés derrière, mais ils sont tout blancs. Elle a le visage très marqué. Et lorsqu'elle s'approche de vous, elle vous regarde, elle vous observe. Pour le coup, il n'y a pas d'appréhension, pas de peur, y compris lorsqu'elle pose son regard sur toi, Alistair. Chers enfants, bienvenue au couvent de Saint-Compostelle. Je suis l'abbesse Marguerite Avia. Ma mère. Vous êtes ici protégé par le secret et les voûtes de Radiance. Ayez crainte. Soyez en paix. Votre ami, Monseigneur Reynolds, vous attend. Suivez-moi. Je me lève en faisant grincer le mobilier. Elle vous amène dans une sorte de petite salle de repas. Ça ne doit pas être la salle... Vous savez pas si c'est une salle principale ou... qui est vide, pour l'instant, il n'y a personne. À part Reynolds, qui est déjà attablé, il ne mange pas. Hein. Mais il est là. Vous voyez qu'il est assis, il devait être en conversation avec l'abbesse. Il se lève quand il vous voit. Vous voilà. Merci. Monseigneur, voici vos ouailles. Je vous l'ai dit, vous êtes en sécurité ici. Faites-moi appeler si vous avez besoin de mon concert. Il s'incline légèrement, mais avec respect, devant la mère supérieure. Elle vous adresse à tous un léger sourire, et elle s'éclipse. Maîtresse des lieux, mais discrète. Vous fait signe de vous asseoir. Souhaitez-vous que je vous fasse servir une boisson, un thé ou quelque chose? Merci. D'ailleurs, merci. À votre aise, à votre aise. Eh bien... Où en sont les choses? Pour ma part... Eh bien, l'abbesse vous l'a dit. Nous avons, comme je l'espérais, une alliée ici. En tout cas, une protection. Est-elle au courant de notre mission? Non, pas exactement. Mais quelque chose me dit que ce ne serait pas un problème. J'ai évoqué ma volonté de rétablir un certain ordre à Carnandras. Elle m'a demandé tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour nous accepter ici. Cela lui a suffi. Je lui fais confiance pour poser les bonnes questions si à un moment elle en a besoin. De notre côté, le manteau est en sécurité. Et nous avons déjà pris contact avec le nouveau capitaine de la garde royale. Celui-ci va nous avoir une opportunité pour Clodoric de prouver sa valeur. Il commencera évidemment à la garde plutôt qu'à la garde royale, mais c'est un premier pas à faire. Quel est l'objectif?
Une fois qu'il sera dans la garde, si il y arrive. Eh bien, on peut en imaginer plusieurs. Le premier sera déjà de tâter le pouls de Carnandras. En étant dans la garde, il pourra surveiller également plus facilement la police. Et le deuxième, éventuellement, c'est de pouvoir lui faire gravir les échelons le plus rapidement possible, peut-être par des faits d'armes ou autres. De manière à ce qu'il rejoigne la garde royale. Le problème, c'est si Clovis rentre effectivement dans la garde, comment sera-t-il indépendant dans ses mouvements? Il ne pourra plus l'être. Il devra être en faction. J'aurai des permissions et j'aurai plus de latitude. Dans ces permissions, plutôt qu'actuellement, on doit marcher sur des œufs. Oui, ça me donnera une certaine position pour pouvoir plus facilement poser des questions. Cela limitera quand même tes mouvements. Attention, cela veut dire que si à un moment tu dois quitter ton poste parce que l'urgence nous le demande, cela sera vu et des comptes te seront demandés. Réfléchissez-y. Mais c'est un premier pas. Nous avons déjà un premier contact avec Mateus Prima. Tristan et Mélisande, avez-vous pu parler à ta famille, Tristan? Oui. J'espère que on va pouvoir démêler tout ça rapidement parce que je risque. En gros. Enfin bon. On n'a pas tout raconté. Ça a éveillé beaucoup de soupçons. Et de plus qu'un de mes frères n'est pas revenu de Marnanlis. Mélisande, quelle est ton analyse de la situation? Eh bien, la famille Valence ne s'opposerait pas à une alliance si nous leur révélons davantage de notre jeu. Ce que j'ai peiné à faire, Je regarde Tristan avec. J'hésite avant de parler. Disons que cette petite mère me rappelle quelqu'un. Mon ancienne maîtresse et je... Je peine à oublier son image. Et je n'ai pas osé trop en dire, quoiqu'il me semble en avoir trop dit déjà. Cependant, elle nous laissera une chance si nous l'aidons à retrouver son fils, comme elle semble les appeler. Peut-être que... Avec son fils et quelques informations supplémentaires, elle acceptera de nous livrer ce que nous voulons. Encore faudrait-il savoir ce que nous voulons vraiment. Mais cela nous guide à nouveau vers Obscura, à mon avis. Comment ça? Eh bien, si... Enfin, Tristan, interrompez-moi, mais... Si je me trompe, mais je pense que si votre frère a disparu à Marnanlis, c'est que... Cela a un rapport, non? J'en ai bien peur. Pendant mes jours, enfin, mon séjour en prison, en cellule, mon frère m'a contacté et m'a dit qu'il trouverait un moyen de me faire sortir. Quelque temps après, un garde m'a prévenu que... Mon bourreau se prendra un carreau d'arbalète, et ça serait à ce moment-là que je devrais me carapater. Hélas, j'ai bien peur que mon frère soit celui qui ait donné cette information aux miliciens, ce qui voudrait dire qu'il soit de près ou de loin en relation avec l'Obscur.
Je regarde Reynolds du coup, voir ce qu'il en dit. La coïncidence est étrange. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils auraient aidé à vous sauver, vous, Tristan. Je ne vois pas le lien. Le manteau. Peut-être. Son frère a dû promettre le manteau lui aussi. Ou bien peut-être a-t-il promis l'oreille des Valences. Obscura aurait bien besoin de quelqu'un pour rentrer dans cette ville, non? Ils n'y sont pas déjà. Vraisemblablement, petite mère n'en avait jamais entendu parler. Et elle semblait sincère, si je ne me trompe pas. Et il y a 13 ans de cela, personne n'entendait parler du culte de la Gorgone jusqu'à ce qu'il soit mis à jour. Pourtant, il était déjà là. Oui, mais on parle... Enfin, soit, vous connaissez mieux qu'un nombre, parce que moi, Alistair. Tout ce que je dis, c'est... Ce n'est pas parce que petite mère n'est pas au courant, même si elle a l'air d'être les yeux et les oreilles de Carnandras. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas au courant qu'il n'y a pas déjà des membres ici. Peut-être qu'ils ne sont pas encore influents, ou peut-être qu'ils ne sont pas encore assez. Ne se sont pas encore assez étendus pour se révéler. Mais. Faut faire gaffe. Ok. Oui, oui, oui. Et frère est peut-être un des liens qu'on pourrait avoir avec l'Obscur. Si ce que Milsandre discutait pendant nos retrouvailles à la... C'était une taverne où on était, oui. Mm. Pourrait peut-être soit être de l'aide pour nous, soit une bonne raison pour que Bénédicte tombe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je comprends bien, tant qu'on retrouve pas son fils, elle ne bougera pas. C'est ça. Bien, nous retrouvons son fils. Vous voulez déjà... tous obligés d'y aller. Vous voulez déjà quitter Carnandras? Sauf le respect de Tristan ici présent qui doit s'inquiéter pour son frère, je ne suis pas sûr que céder immédiatement aux imprécations des Valences soit stratégique. Certes, si nous devons leur donner plus d'informations, je le conçois. Mais de là à céder à leurs demandes, dès notre arrivée, nous nous placerions dans une position faible. Et je le dis... devant Tristan, susceptible de le répéter à sa famille. Nous devons l'assumer. Pourquoi retrouverions-nous son fils en prenant ces risques, sans même savoir ce qui lui est arrivé, sans avoir d'autres assurances de leur part? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... je trouve que... c'est leur laisser la main sur la négociation. Un peu trop tôt. Nous venons d'arriver. Vous n'avez pas d'autre. Mais ultimement, c'est nous qui aurons la main. C'est nous qui avons le manteau. Ne l'avons-nous pas déjà? Nous l'avons. Mais savons-nous comment l'utiliser? C'est l'allié dont nous avons besoin. Et pour le moment, la piste d'Obscura est peut-être la plus fraîche possible si on va tout de suite à Maramorlis. Maintenant, peut-être que nous ne sommes pas obligés de tous y aller. Effectivement, nous devons y réfléchir. De mon côté, j'ai pu m'entretenir avec mon ami l'abbesse. Le couvent où nous sommes... accueille toujours parfois les réunions de la confrérie de Saint-Compostelle. Et j'ai eu confirmation que le marchand Gontran de la Mare en est toujours membre. Si toutefois nous
devions exploiter cette piste à un moment ou à un autre, sachez que nous pourrions en avoir accès assez facile à lui, par ce biais. La porte s'est ouverte. Non, c'est un bruit, c'est un bruitage de fond. Je préfère vérifier. Le jour où je commence à chercher des bruitages pour une porte qui s'ouvre, franchement, il faut me tuer. Hein. Là, c'est que ça sera vraiment trop extrême. Tu peux chercher des bruitages pour des gens qui meurent, donc. Mais ça, c'est pareil. C'est, pas pareil. C'est marrant que ouais, des gens qui meurent, ce soit moins extrême qu'une porte qui s'ouvre. Je pense que c'est un problème. Et c'est à fort impact, quelqu'un qui hurle, une porte qui s'ouvre. Bon. Et donc, que faisons-nous? Si vous devez aller à Marnanlis, partez demain, mais peut-être cantonnez-vous à Marnanlis. Faites attention à là où ça pourrait vous mener. Évitez peut-être de prendre trop d'initiatives lorsque vous êtes en dehors de la ville. Marnanlis sera évité pour Alistair, vu que le connétable y sera. Bon, c'est pas un problème. J'étais de toute façon le bourreau officiel de Marnanlis. Que j'y sois ou non, ça ne change pas grand-chose. Et puis je le connais, le connétable, donc... C'était ton ancien capitaine, après tout. C'est ça. C'est peut-être préférable de le croiser à Marnanlis plutôt que de le croiser à Carnandras. Soit. Alors soit, si vous souhaitez vous y rendre. Nous sommes pas obligés d'y aller tous. Quelles sont les options de ceux qui n'iraient pas? S'il y a toujours les réunions ici sur le de la mare, il était cité dans la lettre de père. C'est pour ça que j'ai posé la question à son sujet, mon cher Clovis. Aussi risqué que ça puisse paraître, je pense que Tristan devrait venir avec moi à Marmanlis. Et que nous laissions Clovis et Milsand s'occuper de Carnandras pour le moment. Clovis, de toute façon, risque de devoir, s'il le souhaite, passer le test de la garde. Et il pourra toujours également soutenir Milsand pour les infos auprès de Delamar. Et Tristan est le seul qui connaisse l'identité de le visage de son frère. Alors, si on doit le retrouver d'une manière ou d'une autre, j'aurais besoin de lui pour le reconnaître. Est-ce qu'il était grand et costaud et suffisamment grand et costaud pour avoir une armure noire? Non. Je propose ça comme ça. Hein. Je suis ton frère. Non, c'est impossible. Non, il n'avait pas la voix de... Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, si c'était le cas, il nous aurait gâché beaucoup de choses. Enfin bref. Je suis partant pour partir sur la piste fraîche de mon frère. Partez demain matin. Nous sommes déjà dans l'après-midi. À moins que vous souhaitiez y aller dès maintenant, mais vous devrez passer la nuit là-bas. À vous de voir.
Sachez juste que plus vous êtes loin de Carnandras, plus vous êtes proche des troubles, des terres du pouvoir royal. Je vous conseille d'y rester le moins longtemps possible, surtout si vous décidez de vous séparer. Milsandre et Clovis, souhaitez-vous que je fasse quelque chose vis-à-vis de Gontran de Lamar? C'est-à-dire? Clovis semble... Alistair semblait suggérer que vous restiez ici pour aborder cette piste. Je ne pensais pas que ce serait la priorité, mais puisque vous restez à Carnandras... Je pensais surveiller, voir s'il y avait toujours des spadassins qui tournaient autour de chez lui. Mmh. Oui, je pense qu'il vaut mieux pour le moment que nous restions dans les ombres et qu'éventuellement je me rapproche de lui sans vraiment que nous... nous révélions. Plus comme... D'accord. En sommeil. D'accord. Je saurais vous dire où trouver... son domicile. C'est également là qu'il y traite de ses affaires marchandes, de toute façon. Il vit dans le manteau. Bien sûr, dans un lieu, dans une partie du manteau plus agréable que celle que vous avez pu visiter en allant voir la famille de Tristan. J'ai eu l'information par l'abbesse. Elle saura vous diriger, si nécessaire. Ou envoyer quelqu'un. Soyez tout de même prudent. Quant à moi... Je vais essayer d'en savoir plus sur les différentes personnes du conseil ou ailleurs de qui je pourrais moi me rapprocher. Si des éléments peuvent nous aider, je serai le premier à vous en informer. J'ai appris de l'abbesse que des membres du conseil de la ville étaient encore dans la confrérie de Saint-Compostelle. Et ça, ce sont mes pistes à moi, pour l'instant. Bien. Si vous n'avez rien à ajouter, on en est, disons, au début d'après-midi. Je pense que vous allez tous prendre un repas au couvent. Ça vous laissera une partie de l'après-midi derrière. Comment vous voulez faire les choses par rapport à Marnanlis et... Est-ce que vous y allez le lendemain? Est-ce que vous voulez y aller tout de suite en fin de journée? Enfin, dites-moi et tous comment, ce que vous planifiez de faire. Je sais pas ce que t'en penses, Tristan. C'est à combien de... C'est à combien d'heures, Marnanlis? Allô? Pardon? Oui, on t'entend. Ouais. Je disais, ça a combien d'heures, Marnanlis, de Carnandras? Franchement, bonne question. Ah, on est quand même, à mon avis, pas loin de la journée de marche. Hein. Donc, une demi-journée à cheval, si on en loue. Ouais. Ouais. Ouais, je pense. Pourquoi pas? Si on veut se dépêcher, on peut peut-être essayer de voir pour prendre des chevaux. Et si tu veux repasser voir ta petite mère pour lui dire que on fait l'effort de déléguer une personne à la recherche immédiate de Jacques, ça pourra lui montrer que eh bien qu'on est de bonne foi. Ouais. Faisons ça. Okay. Ça ne promet rien, mais ça montre au moins l'effort.
qu'en faisant ça, vous arriveriez de nuit à Marnanlis. Ok. Enfin, sauf si vous, si vous partez dès aujourd'hui. Je dis n'importe quoi. J'ai sous-entendu ça, mais... À vous de voir. Soit vous partez dès maintenant, soit vous partez le lendemain matin. Ouais. Dans les deux cas, ça sera le même... C'est quoi, si petite mère, elle fournit les chevaux, eh ben, on part maintenant. Sinon, il va falloir qu'on en cherche tout ça, ça va prendre du temps, tu comprends. Ouais, ça peut prendre quelques temps quand même, mais pourquoi pas, ça peut être une occasion de lui dire que vous y allez. Vous faites comme ça ? Je te laisse faire, Tristan. Mélisandre s'est déjà révélée. On va éviter de montrer toutes les flèches qu'on a dans le carquois. J'ai déjà essayé ça et ça ne leur a pas plu. Mais oui. J'espère qu'on trouvera Charles rapidement. Jacques. Reynold vous dit une dernière chose. N'oubliez pas, si vous êtes séparés, attention à ce que vous décidez à Marnanlis. Soyez sages dans vos décisions. Ok. Dans le doute, revenez à Carnandras. Pas ce que je fais d'habitude dans le doute. Ouais. C'est vrai. C'est bien. Les deux autres qui restent, Clovis et Mélisandre. Vous avez donc à peu près une partie de l'après-midi disponible. Qu'est-ce que vous souhaitez faire donc ? J'aimerais bien en profiter pour aller voir les archives. Les archives, faut être plus précis. Pour Léonie. Mmh. Et Alaric. La petite sœur et les petits frères qui ont disparu et qui sont potentiellement les seuls parents. Seuls parents de ouais. Clovis, mais tiens quoi. J'entends de réfléchir. Sur les archives, ouais. Tu pourrais aller. Est-ce que c'est le genre de truc qui serait domaine public? Tu peux peut-être demander à l'abbesse, déjà. Ce qui se passerait en cas de parents qui décéderaient pour les enfants. Parce que sur les archives, je suis en train de réfléchir. Oh, remarque, non, pourquoi pas. Tu pourrais aller... je suis en train de réfléchir où ça serait. T'avais une idée particulière sur les archives de où ? J'imagine que dans les districts, il y a des archives par district, non ? Ouais, c'est une idée. Parce que la maison... Elle appartenait à la famille, donc elle a dû être saisie, mais ça a dû être mentionné, ce qui s'est peut-être passé pour la famille. Enfin, pour les vivants. C'est une idée. Ouais, on pourrait avoir des genres de succursales du gouvernement de la cité avec des archives ici et là, comme des petites bibliothèques ou des choses comme ça. Pourquoi pas ? Ok. Ok, on va faire comme ça. Et toi, Mélisandre ? Moi, j'avais prévu pas mal de trucs à côté, notamment de me renseigner sur... Obscura. Bah ouais, déjà Obscura, ensuite Ranald, ensuite la... Comment... Enfin, tu sais, je voulais chercher le collier, je voulais faire ça. En vrai, je pense que je vais pas mal flâner dans les rues de Carnandras et... D'accord.
Ça t'aide. Hein. Non, ça m'aide. Il y a flâner, ça, je vais le prendre en compte, pas de problème. Tu vas visiter un peu tout ça. Mais quand tu dis rechercher sur Obscura. En fait, c'est pas ça, c'est que je suis en train de me souvenir de la conversation qu'on avait eue. C'est je t'avais dit que oui, je voulais faire des recherches sur les cultes, mais tu m'avais dit qu'en fait, il allait falloir que je passe par l'abbesse. Qui allait devoir me donner une autorisation. Enfin, en fait, il me fallait l'autorisation de quelqu'un de supérieur, quoi. Ça, ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Si tu veux aller sur des informations sur des cultes, effectivement, bah il y a le temple, la bibliothèque du temple de Radiance, c'est quand même le meilleur truc. Mm-hmm. Par contre, c'est vrai que pour y accéder, n'importe qui peut pas y aller. Après, t'as aussi l'abbesse à interroger déjà de base, qui a une culture religieuse. Et puis après, si tu veux un accès particulier, bah ça s'obtient. Ouais, tu peux demander à l'abbesse ce qu'elle propose. Tu peux aller au temple ou demander l'autorisation directe si t'as une histoire, tu vois, à raconter. Il y a plein de manières, mais je pense oui que au-delà de ce que certaines personnes peuvent déjà savoir, tout dépend du type de recherche que tu fais. Bah une bibliothèque, ouais, la bibliothèque du temple de Radiance, pour ça c'est la meilleure. Ouais, bah, soit ça, soit vaquer. Soit vaquer en ville pour le médaillon. Ce que je te propose, c'est que tu peux tenter d'avoir. Une petite entrevue avec l'abbesse, c'est ça ? Avec l'abbesse, qui pourrait après faire des démarches pour te donner, t'autoriser un passage de sa part. Ce qui te permettrait de flâner en attendant d'avoir cette autorisation. Sans problème. Ok. Go. Parfait. I'm all in. Allez. Bon, Tristan et Alistair, je vous fais pas jouer le fait de retourner voir petite mère. On va considérer que Tristan va faire ce qu'il faut, va reprendre contact et tout. Donc elle va accepter de vous fournir les chevaux. Ça va prendre un petit peu de temps, quand même. Ouais, 2 bonnes heures, je dirais. D'accord ? Et ça vous permettra de vous mettre en marche après pour Marnanlis. J'y reviendrai à ce moment-là. À moins que vous ayez des choses particulières à lui dire, à lui demander. Ça, faut me le dire. Je suis tout seul, de façon comme on avait vu avec Alistair, mais... Non, du coup, j'aurais dit on part chercher Jacques, on part sur la piste. Okay. Pour que ça aille plus vite, il nous faudrait deux chevaux. Très bien. Et est-ce qu'il y avait, en cas de pépin, un endroit où vous comptiez vous retrouver, autre que Carnandras, j'entends ? Un endroit où se retrouver autre que Carnandras ? Dans quoi par là ? Bah, je sais pas, tu vois, si vous avez dit s'il y a du grabuge et qu'on est séparés, on se retrouve à la sortie de la ville, dans le bois à côté, ou un truc comme ça. Enfin. Il devait sortir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était soit on se revoyait, soit il irait à Carnandras, donc. Ok. Il y avait une troisième possibilité dans ce cas, du coup. Non, du coup, j'ai 2 chevaux. On va pouvoir partir. Ok, je reviendrai vers vous à ce niveau-là. Yep. Clovis, je pense que vêtu comme tu es, tu peux accéder à l'une de ces archives. Le district, en plus, ça demande pas un niveau d'autorisation très important. Du moment qu'il n'y a rien de secret en fait dans ces archives, il faut bien comprendre. Et je vais pas vraiment t'embêter, c'est plutôt des archives qui vont te. Même tu vas même pouvoir trouver, pourquoi pas en fait, directement une information là-dessus. Si tu remontes. Je vais même pas te faire de test, ça va te prendre quelques heures.
Tu vas voir que suite aux événements, donc la... les enfants de la famille Bellaube ont été confiés au couvent de Saint-Léonin. Ok. Je te laisse réfléchir à ça. Et quant à toi, Mélisandre... Ah, tu voulais parler à l'abbesse, toi. Bah ouais, savoir un peu ce qu'elle savait sur de la mort, sur les cultes sous-jacents, sur un peu tout, quoi. Alors... Après, je sais pas si c'est vraiment à elle qu'il faut que je pose des questions sur les autres cultes, mais bon, de toute façon, si c'est une pote de Reynold. Ça dépend ce que tu lui demandes concrètement. Si tu lui parles d'Obscura... Vous avez déjà honoré un serpent. Obscura, elle sait pas du tout ce que c'est. Vraiment pas du tout. Je t'embête pas avec ça. De la mare, tu en sais ce que Reynold t'a appris. C'est un marchand. Ça fait longtemps qu'il est établi à Carmandras. Il est membre de la confrérie de Saint-Compostelle. C'était déjà le cas il y a 13 ans. Donc il fait partie voilà, de ça. T'as pas vraiment plus d'informations à ce niveau-là. Mais par exemple, est-ce que il est toujours dans la laine? Est-ce qu'il a diversifié? Est-ce que ça a prospéré? Est-ce que ouais. Alors c'est encore une fois, la baisse c'est pas non plus son dos. Elle le côtoie, donc il a diversifié. Maintenant, il importe, il fait des importations d'ailleurs, de vin, de choses comme ça. Il a son entreprise a considérablement grossi depuis. Depuis 10-12 ans. Après, elle connaît pas tous les détails de ce qu'il fait, c'est pas son boulot de savoir ça. Mais c'était un marchand aisé à l'époque. Maintenant, il fait partie des marchands bien établis et de ceux qui sont parmi les plus respectés dans la confrérie de Saint-Compostelle. Oui, du coup, ça va dans le sens de la lettre du père de Clovis, quoi. C'est... Genre de confirmation. Et si tu veux aller au temple de Radiance, je pense que ça pourrait être pour la. Elle pourrait ouais, faire en sorte de te donner une autorisation au nom du. Et de te faire accompagner peut-être par quelqu'un du couvent. Si tu veux y aller, ça peut se faire si elle t'affuble de quelqu'un. Oui, mais je pensais, je sais pas du tout, je pensais me faire passer pour une personne qui étudie l'église de Radiance, en fait. Et donc, comment est-ce qu'elle en est née, comment est-ce qu'elle a réussi, enfin, tu vois. Est-ce que tu pas sais... auprès d'elle. Oui, mais, pas auprès d'elle, oui, j'ai compris, ouais. Tu veux dire ta couverture quand tu vas aller voilà, au temple. Ça. Ouais. Parce que je compte vraiment m'habiller en nonne, enfin, les costumes, tout ça, vas-y, on y va. Ah ouais, d'accord. Ah oui. D'accord, top. Ouais, bah ça, je veux pas lui cacher, hein. C'est ça. C'est... Elle peut te fournir s'il faut. Donc clairement, elle va être complice. Est-ce que tu sais, par contre, je te le demande à toi, est-ce que tu sais vraiment ce que tu vas chercher, par contre? Parce que se renseigner sur les cultes, ça sera pas suffisant. Ouais, je veux savoir d'où vient... Oh merde... Oh, le truc du serpent, l'orgone. En gros, ce qu'on en savait avant, comment ça a été documenté, qui en a parlé, est-ce qu'il y a des gens qui ont retravaillé dessus depuis la Révolution, depuis... Enfin, D'accord, c'est sur ce sujet-là, ok, c'était au niveau de la... notamment de la gorge. Ça, et puis grignoter un peu sur Ranald. Si au hasard de quelques textes, tu vois. Sur les autres cultes. Okay. Sur cette histoire de Prométhée aussi. Qui est Prométhée? Quelles sont ses anciennes légendes? Ok. Ça fait beaucoup de choses à rechercher, tout ça. Ah bah, je t'ai pas dit que je me transformais en... Très bien. Eh bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que... Elle va te fournir donc ce qu'il faut. Tu vas te faire accompagner. Et donc ça va te permettre, on va le faire parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à regarder, d'accéder au temple de Radiance, qui se trouve dans un quartier qui s'appelle la Porte de Radiance. Alors là, clairement, c'est un quartier magnifique,
qui est même assez vertical dans sa construction. Il y a des escaliers qui permettent d'aller sur des genres de plateaux pavés avec des bâtiments vraiment très beaux architecturalement parlant. J'ai réussi. Mmh. Et avec des rues pavées, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des riches qui s'y baladent. Ça, c'est important de le savoir. Mais voilà, c'est très propre, c'est entretenu. Il y a la garde, il y a une présence de la garde qui est très importante ici. Et surtout, il y a bien sûr le temple de Radiance. Et le temple de Radiance, quand tu regardes, c'est un mélange de structures anciennes, dont tu doutes qu'elles sont impériales, notamment les colonnes à l'entrée qui sont restées, qui sont des... Je dirais pas des ruines, mais c'est une partie de monuments qu'il y avait avant du temps de l'Empire, qui demeurent, qui sont dans la cour du temple. Et le temple lui-même a un aspect très impérial avec des colonnes, des choses comme ça. Mais on voit qu'il y a eu en plus des ajouts architecturaux pour le mettre un peu aux couleurs de Radiance. Donc avec des tours gothiques, des voûtes, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de monde sur cette cour. Des fidèles, des gens, des chanoines. C'est très peuplé. Et pourtant, il y a une sorte d'ordre qui règne. Et encore une fois, ben, les capes blanches, c'est la garde... pas les capes blanches, n'importe quoi. Les capes noires, qui sont les gardes de la ville, forcément, incitent à l'ordre. Mm. Et donc, tu rentres avec ton accompagnante, qui est une sœur du couvent de Saint-Compostelle, dans le temple. Tu quittes l'effervescence de la ville. Et l'intérieur est incroyable. Tu n'as jamais vu ça. Pourtant, tu as déjà vu de belles églises, notamment à Elegia. Mais là, c'est vraiment fantastique. Les colonnes sont larges, finement ouvragées. Tu vois presque comme des... c'est presque des mini-bâtiments dans la vaste nef centrale. La lumière rentre par les vitraux. C'est presque une lumière divine dans les couleurs qui en ressortent grâce justement à ces vitraux, la manière dont ils sont faits. Il y a des statues, c'est très bien entretenu, il y a des chandelles partout. En même temps, c'est serein. Ça ressemble vraiment au hall d'entrée de la grande cité de Radiance. De ce que tu en sais maintenant, que Reynold a commencé à t'inculquer, de ce que tu as lu, de ce que tu as appris. Donc toi qui es investi récemment là-dedans, qu'est-ce que ça te fait déjà d'entrer dans ce haut lieu du culte ? Je suis entre émerveillement parce que tout de même la cité de Radiance et de notre part peut-être un peu de... Enfin même si je suis très intimidée, je sais pas, je... Ouais, j'ai quelque chose au fond qui grogne, mais je sais pas encore trop ce que c'est, tu vois. Mais je suis vraiment ébloui par ce qu'on a réussi à faire du culte de Radiance. Et là, humble face quelque chose d'aussi grand. Tu es délaissé quelque temps par ton accompagnante, qui est déjà venue visiblement. Mm. Et tu attends un certain temps, ce qui te permet un peu d'observer. Et finalement, elle revient en compagnie d'un homme, on va dire d'une fin de trentaine, peut-être 40 ans, qui est vêtu d'une robe pourpre. Il s'approche de toi.
puisque visiblement c'est vers toi qu'il vient. Ma fille. Mon père. Bienvenue dans le grand hall de Radiance. Il a un petit sourire. Tu pourrais presque croire que c'est un sourire narquois. Ou amusé. C'est bizarre. Il y a une sorte de... De sacré qui émane de lui. Et pourtant, il a comme un visage... Plutôt un visage rieur. C'est ça que je voulais dire. Mmh. J'ai mal exprimé. Sœur Emmanuelle me disait que vous veniez d'entrer au couvent. C'est exact. Je suis le père Lantenois. Je suis ravie d'être ici et Armel. Armel Landby, c'est. Détendez-vous. Je suis venu vous voir parce que Sœur Emmanuelle m'a expliqué votre intérêt et votre volonté de vous cultiver sur le culte. Je voulais donc en savoir plus sur réellement ce qui vous amenait ici. Quel est votre sujet d'intérêt que je puisse vous guider en ces lieux? Eh bien, mon père, je m'intéresse à tout ce qui a trait au culte, de manière générale. Bien sûr, le culte de Radiance est le plus grand, mais j'aimerais savoir comment il a réussi à unir tout ce qui a pu exister auparavant. Enfin, Carnandra semble l'endroit parfait pour ça. En tout cas, le grand temple de Radiance l'est. Vous semblez enthousiaste. Oui. J'espère que vous ne pensez pas qu'à vos études lorsque vous êtes à Carnandras. Il y a tant de choses à faire ici que s'enfermer entre quatre murs pour étudier. Enfin, je ne voudrais pas vous décourager, mais comme j'étais présent aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous accueillir en personne. Et je suis navrée, mon père, enfin, père Lantenois, mais je n'ai pas vraiment, comme je suis récemment arrivée, je n'ai aucune idée de qui vous êtes vraiment, je suis vraiment navrée. Ne vous inquiétez pas. Parfois, je ne sais même pas qui je suis moi-même. C'est notre lot quotidien, ma jeune fille. Écoutez, je suis le prêtre en chef de ce lieu. C'est moi qui gère le grand temple de Radiance et qui accueille les fidèles, comme vous. Du coup, je vais faire une courbette vraiment très très appuyée. Oh, je suis absolument navrée. Je n'avais pas conscience que. Pardon. Je ne m'habituerai jamais à toutes ces cérémonies. Vous voyez, je ne vois pas forcément le sacré dans le cérémonieux. A raison, peut-être. Sans doute. Apprenez que le père en ces lieux a toujours raison. Allez, suivez-moi. Sœur Emmanuel, il vous amène dans les... il faut traverser la grande nef. Et il t'amène dans des couloirs. Tu te rends compte que c'est extrêmement grand, en fait. Il t'amène dans une sorte de chapelle qui fait également office de bibliothèque. Je ne sais pas si c'est la seule du temple. Mmh. Et en fonction de tes recherches, il veut te guider en personne. Il va te laisser faire tes recherches, hein, mais en fonction des sujets que tu lui donnes, il va t'amener vers un endroit de la bibliothèque. Mmh. Ah oui, pardon, tu veux la liste des... Ah, tu peux m'en donner jusqu'à 3 parce que t'as pas non plus toute la journée. Hein. Oui. Non, bah. du coup. Obscura. Exactement, je veux tout savoir sur la Gorgone. Comment fabriquer une bombe?
Une fois que tu seras dans la recherche, c'est pas dit qu'il reste tout le temps avec toi. Tu pourras t'égarer, on va dire, dans la bibliothèque. Et voilà, là, ce que je vais chercher, du coup, ça sera plus tout ce qui est culte qui vive avec avec Radiant, enfin avec oui, la cité Radiant de Radiance, pardon. Donc, tu vois, d'où ça tient des racines? Est-ce qu'il y a des mythes derrière qui... Est-ce qu'il y a d'autres villes comme Radiance? Tu vois, tout ce qui va être très, très ancien. Qui pourrait... La mythologie, quoi. D'accord. Pour les vieux textes. Très bien. Alors, je vais te faire faire un premier test assez simple. Ouais, t'inquiète. D'esprit... d'une difficulté de 4. Voilà. Sans voix ? Pas compris. Sans voix, pas fil ou trib. Non, non, non. Ok, une difficulté de 4, je fais 3. Donc, du coup... Ah, c'est un peu ballot. Faut un peu dommage. Bah écoute, ça vaut le coup que je nique de la détermination, là. Je pense, quand même. Ouais, allons-y, alors. Très bien. C'est déjà en rouge. Bon, il y a des choses que tu sais, que tu réapprends d'une certaine manière. Bon, tu te plonges dans des histoires, ça te prend un peu de temps, mais tu retrouves ce que t'as inculqué, Reynolds, sur le fait que... Alors, il y a l'origine mystique, il y a l'origine historique du culte de Radiance, qui vient de ce culte au départ secret au cours de l'Empire, qui est né, qui a été persécuté par l'Empire, et après, dont s'est emparé Valéran, donc le roi du royaume Sélonide quand il était unifié, quand il s'est converti, qui en a fait la plus grande religion. Donc ça, c'est le versant historique, voire politique, mais la mythologie de la cité, c'est qu'en fait il y avait les titans au départ, les titans qui ont, alors certains disent qu'ils se sont endormis, d'autres qui disent qu'ils sont partis, qu'ils se sont changés en pierre, il y a plusieurs versions, mais en tout cas, en prévision de, alors, soit en prévision de leur départ, soit sans forcément savoir, ils ont bâti la cité de Radiance, dans le but qu'elle puisse recevoir l'énergie des prières des hommes et faire les dieux dont ils ont besoin. Et lorsque les titans ont disparu, ou sont partis, ça c'est vraiment chacun sa version un peu, il y a plusieurs mythologies, des fois ils disent que les titans ont abandonné les humains, d'autres qui se sont simplement endormis, bref, et bien même sans eux, l'humanité a pu subsister grâce à la lumière de Radiance et au fait qu'elle créait leur dieu. Donc ça en fait une entité, la cité de Radiance, supérieure aux dieux, même si potentiellement elle peut les accepter tous, vu qu'elle les crée. Les dieux sont les enfants de Radiance. Et quand on parle de dieux, il y a donc une différence entre les démons et les dieux. Ça nécessite encore des recherches différentes et de s'égarer un peu plus dans la bibliothèque. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire faire des tests d'esprit et de filouterie pour considérer qu'il y a aussi la discrétion sur la manière dont tu vas réussir à faire tout ça. Mais du coup, dans les titans, ils doivent parler de Prométhée. Parce qu'il a dit que c'était un titan, Prométhée, l'autre là, le grand noir là. Oui, oui. Faut aller un peu plus loin quand même. Faut que tu choisisses vers quoi tu vas. Est-ce que tu vas vers les démons? Est-ce que tu vas vers Prométhée? Non, vers les démons, tant pis. Fais-moi un test d'esprit et filouterie, et il n'y a pas de difficulté. En fonction de ton résultat, je te donnerai des informations. Justement que j'ai un bon résultat. Sinon, je vais m'énerver. 7 ? Pas ouf. Oui, pardon. Ok, si tu dépenses un point de détermination, ça fait 8, ça peut valoir le coup. ça va. Non, mais avec 7, t'auras quelque chose quand même. Bah non, vas-y, 8. Okay. Bon. Je pourrais me reposer un moment.
Je vais te... Alors, je vais te donner plusieurs informations. Tu fais donc des recherches sur les démons. Alors, c'est pas, y a pas des traités de démonologie dans le temple de Radiance. Hein. Mais justement, ils sont dépeints comme des ennemis de Radiance qui veulent conquérir Radiance. Donc, souvent, c'est parce que c'est pas toujours. Je vais pas te donner une réponse claire à chaque fois. Hein. Mais souvent, c'est soit des dieux qui ont trahi Radiance et qui l'ont quitté, qui ont voulu s'en émanciper, des démons. Soit des êtres créés par les prières des hommes et qui sont contraires aux dogmes de Radiance. Et souvent, ils sont dépeints comme souhaitant s'emparer de l'énergie de Radiance, voire de la cité elle-même. Pour ne plus y être, c'est ceux qui renient en fait la supériorité de Radiance. C'est vraiment le versant théologique. Hein. Après, il est dit que, bien sûr, pour ce faire, les démons vont corrompre pour utiliser les actions des hommes et se réapproprier l'énergie qui doit normalement aller vers Radiance. L'énergie donc des prières. D'accord ? Ok. Et avant que tu poursuives, ça va peut-être t'aider. Et là où je te disais que ça vaudrait le coup peut-être de dépenser un point de détermination, c'est que tu apprends sans trop de détails pour l'instant, ça vaudra peut-être un G après, que les démons, enfin le père des démons, est parfois vu comme étant Prométhée. Oui, parce qu'il se serait rebellé. C'est une histoire de lumière. J'arrive pas à séparer ce concept. Enfin bref. Le sépare pas, mais si tu veux en savoir plus, c'est ton troisième élément. Mais attention, il y aura un test, ça sera ta dernière possibilité au temple. Il faut voir si tu attires l'attention ou pas, s'il revient te voir le père Lantenois. Toi de me dire. Bah ouais, si, je vais me renseigner un peu plus sur... Je veux en savoir davantage sur... Bah oui, enfin sur les démons, oui, sur leur culte, sur la Gorgone, enfin si je peux piocher. Attends, faut me donner le sujet. Soit c'est en gros Gorgone, soit c'est Prométhée, soit c'est. Parce qu'il faut que ce soit précis, là t'es au troisième stade de ta recherche. C'est ça. Voilà, j'ai besoin que tu sois vraiment. Et là on arrive dans les potentiellement des recherches plus sensibles. Suivant ce que tu cherches. Je cherche Ronald. Ok. Fais-moi un test esprit et filouterie. La difficulté est de 8. Ça ne veut pas dire que tu foireras si tu n'arrives pas à 8, mais ça pourra vouloir dire que tu attireras l'attention sur ces recherches. Comment c'est possible de faire moins 1 là ? En faisant un 1 et en ayant moins 2. Oh putain. Comment ça j'ai moins 2 ? T'as moins 3 même. Oh, t'es en rouge. Ah oh, mais oui, j'avoue. T'as roll en 2 et t'as fait moins 3. Hein. Je vais être honnête, j'ai oublié de vous redonner de la détermination. Donc je vais être seigneur. Enfin, c'est pas seigneur, c'est que j'ai oublié de vous la redonner. Vous avez passé. Ah, quoi que vous n'étiez pas à Carnandras, hein, vous n'avez pas dormi encore. Ah ouais. Vas-y, je vais cramer un point de détermination pour essayer de relancer. Et si ça foire, j'insisterai pas, on va être honnête. Ok. Pitié, Seigneur. Voilà. C'est pas possible. Quoi ? Il faut que tu fasses suite. T'es déjà à moins 3, tu feras forcément 7. Non, mais je lui ai dit que... Oui. Elle, j'aurais des infos, mais c'est juste que ça attirera l'attention... Là, si j'attire l'attention à moins 1, c'est quand même plus grave que si je l'attire à genre 4. Mais d'accord. C'est sûr, ouais. C'est sûr. On rassure comme on peut. Bon, bah voilà, je l'attire à 3. Pas grave. Alors... Je te donne le choix.
Soit je te donne des infos, mais tu vas attirer l'attention, soit je te donne rien et tu fermes tes bouquins quand le père Lantenois revient. Non, je garde mes bouquins, je veux les infos. Ok. Alors, Ranald est souvent vu comme un démon aux multiples visages, avec différents aspects également. C'est celui qui, parmi les démons, qui prend le plus d'aspects différents. C'est souvent, les démons font souvent ça, hein, tu l'avais vu dans tes recherches d'ailleurs. Pour attirer un peu les prières à eux, ils prennent plusieurs aspects, donc ils sont vénérés sous différents noms, justement parce que ça leur permet d'engranger plus. Ranald, lui, est celui qui le fait le fait le plus. Voilà, il a déjà le simple fait qu'il y ait des traces de lui à Carnandras, ça veut dire beaucoup. Il était surtout connu et vénéré à l'époque impériale. Donc ça remonte plutôt même à l'époque des Dominions, parce que ça n'a pas l'air d'être un démon d'origine impériale, mais plutôt les Dominions, donc les régions qui étaient dominées par l'Empire, sur les anciens, donc avant que ce soit les royaumes sélonites, d'accord? Donc c'est vraiment, ça remonte à loin. Et était connu pour, il y a une mythologie un peu qui s'est créée, c'était un ennemi de la Gorgone. Entre les deux. Et leurs fidèles mutuels se sont souvent affrontés. Sur différents plans, mais voilà, il y a déjà souvent eu des affrontements entre les deux. Et je réfléchis à un autre truc que je pourrais te dire à son sujet. Ah oui, Ranald était souvent traqué par notamment les autorités impériales dans les dominions qu'il dominait, justement, enfin, qu'il gouvernait à l'époque, parce que Ranald, c'est un grand adepte des... enfin, Ranald, en tout cas, c'est fidèle de sociétés secrètes qui influencent d'une manière ou d'une autre le temporel, et du coup... Vu qu'il était vénéré surtout par des membres des dominions, eh bien, pour l'Empire, c'était un risque. L'Empire devait tout maîtriser, donc il traquait souvent ce culte-là à l'époque. Worth it. Si je peux te dire autre chose. Non. Et alors que tu lis tout ça, tu fais plus trop attention, tes livres sont ouverts sur la table. Vous avez digressé dans vos recherches, et derrière toi, il y a le père Lantenois. Il a un petit sourire en coin. Et tu te rends compte que tous tes livres sont ouverts, t'as pas fait attention, t'as pas vu qu'il revenait. Je vais pas... je vais me redire hein, sur le moment, mais je vais pas... je vais pas les fermer, tu vois, je vais pas... Je vais m'étirer et dire « Oui, c'est un problème avec moi, je suis toujours fascinée par absolument tout, et parfois un peu trop curieuse. » Je digresse sans arrêt. En tout cas, vos recherches vous ont mené en des lieux, en des méandres intéressants. Oui. Je ne sais pas si on aurait pu tomber sur ces ouvrages sans les chercher, pour être tout à fait honnête avec vous. Oh, vous savez, de fil en aiguille. Un intérêt particulier pour les anciens cultes? Eh bien, il m'est avis que tout ce qui est présent est fondé sur ce qui a été passé. Alors, tout m'intéresse.
Oh, je ne vois aucune réalité, mais chaque mythe, chaque histoire dit quelque chose sur ce que nous sommes, sur ce que nous serons aussi. Et vous trouvez les réponses aux questions que vous vous posiez ? Pas vraiment. Mais toutes ces histoires sont fascinantes. Vous résidez donc au couvent de Saint-Compostelle ? Oui, pour le moment. J'ai la chance de pouvoir y rester. N'hésitez pas à revenir, ma fille. Je vais devoir malheureusement mettre fin à votre petite session d'apprentissage. Je comprends, c'est vrai que je me suis un peu trop attardée. Je vous remercie, mon père, de votre patience. Je vous en prie. Il te regarde, il attend que tu partes. Il a un petit sourire en coin, toujours. Je peux utiliser visage de l'innocence ? Non, tu peux plus là. Oh, come on ! Mais attends, c'est pas fonctionné ce truc. Non. Non, d'accord. Non, bah je m'en vais en jouant Hermione Granger. Hein. Très bien. Tu quittes le temple de Radiance. Et tu retournes en ville pour flâner. Pendant ce temps, nos amis Alistair et Tristan sont à l'extérieur des portes de la ville. Des chevaux ont été mis à leur disposition. Petite mère t'a souhaité bonne chance, Tristan, pour retrouver Jacques, ton frère aîné. Et alors, à peine arrivé à Carnandras, vous quittez la ville. Pendant ce temps-là, Mylsandre, tu flânes, prête à retourner en cette fin de journée au couvent de Saint-Compostelle. Et dans le quartier du Manteau, tu tombes sur une sorte d'attroupement. Dans une rue. Et il y a un jeune homme est debout sur une caisse en bois. Les gens l'écoutent et il se livre à un discours enflammé. En tout cas, il parle haut et fort. Et voici le discours que tu entends. Oyez, oyez, bonnes gens. Oyez la véridique histoire des révoltés de Carnandras, sacrifiés sur l'autel du mensonge. Car nos rues n'ont pas oublié, entachées par le sang de ceux qui, il y a plus d'une décennie, ont été assassinés pour avoir cherché à faire entendre vos voix. Vous, les gens du peuple, indigents ignorés ou riches construits en dépit des sangbleus. Quant à ceux qui, entre tous, devraient se soucier de notre sort, ces robes pourpres, qui nous promettent un avenir radiant. Ce sont eux qui nous ont convaincus que nos espérances n'étaient que le fruit d'une influence maligne, que nos esprits n'auraient pu, dans leur indépendance, façonner leurs propres idées. Aujourd'hui, nous marchons, tels des somnambules, dans l'amnésie des causes de naguère, nous-mêmes convaincus par les mensonges des véritables serpents. Réveillons-nous, mes amis. L'obscurité est effrayante. Mais on y trouve souvent plus de vérité qu'en se laissant aveugler par les fausses lumières. Alistair et Tristan, vous êtes sur les routes, direction Marne-en-Lys.